Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la Woof Run 2022 avec Pepper. Aujourd'hui on est samedi, c'est le premier jour, on est en mode un peu chill, hein, tranquille. Vous le voyez à ma tenue de toute façon, aujourd'hui on va vraiment aller voir les stands, voilà, se promener, tester peut-être 2-3 activités. Et puis demain on partira pour le Canicross chronométré à 8h30, on part première vague. Il y en a une qui voudrait que ça soit là maintenant tout de suite parce que tu t'arrêtes jamais. Écoutez, je vous emmène avec nous. Ça sera demain, Pepper. Demain. Demain, Pepper. Ouais, demain. Demain, Pépinette. Jour numéro 2, il fait 5 degrés, 7h30 du matin. J'aurais su que j'aurais choisi une vague un petit peu plus tard, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va aller faire les contrôles veto pour récupérer notre dossard.
Vous le voyez, il n'y a plus personne derrière moi. Parce que j'ai fait la boulette 600 km pour oublier de mettre la GoPro quand je suis parti en course. Comme un dingue, j'étais tellement focus dans mon truc que j'ai oublié de prendre la GoPro. Donc il y aura quelques plans à l'arrivée et au début. Mais la GoPro, elle était restée dans le sac. Mais du coup, comme j'aime me faire souffrir, eh bien, je vais refaire le parcours quand même pour vous montrer ce que c'est et puis faire un petit débrief de ma course. 1, 2, 1, 2. Bon, et bien c'est parti, au programme un parcours de 5 km, un léger dénivelé, environ 120 D+, mais surtout plusieurs passages à gué, dont un où je n'étais vraiment pas prêt. Vous allez voir ça. On arrive sur un petit entonnoir, on traverse le pont et on entre dans la carrière. À ce moment-là, on se met dedans, j'essaye de tenir une bonne cadence, ça va assez vite, donc j'essaye de m'accrocher, mais c'est assez difficile, je vais pas le cacher. On est là sur une zone vraiment plate, donc c'est assez sympathique, mais je sais qu'on va arriver tout de suite sur une petite montée. Donc on arrive sur la première petite montée, assez courte, mais elle fait quand même un petit peu chauffer. Ensuite, eh bien, on enchaîne sur une partie assez roulante du plat descendant, mais on fait quand même attention à ne pas glisser, parce que c'est un petit peu voilà, en pente, hein, donc on fait gaffe. Là, on arrive sur la deuxième montée, c'est la plus longue du parcours, mais ça reste totalement acceptable. Je veux dire, on a vraiment connu pire sur nos dernières courses. Là, on enchaîne, ça déroule, on se fait plaisir. Ça a bien chauffé les cuisses dans la montée, donc j'essaye de me relancer comme je peux. On arrive sur le premier petit point d'eau, et puis on va se diriger dans la forêt. Là, à ce moment-là, on entre dans la forêt, petit chemin légèrement boueux, mais ça déroule, je veux dire, c'est assez plat, faut faire un petit peu attention, mais... Franchement, ça le fait. Et à ce moment-là, comme un débile, je me suis rendu compte que j'avais pas la GoPro. Alors au début, j'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai peut-être fait tomber. Et non, je ne l'avais juste jamais démarré car elle est restée au fond du sac. Et je vais pas vous cacher que ça m'a foutu vraiment un coup au moral. Genre vraiment, j'étais dégoûté quoi. J'ai dit putain, j'attendais pour filmer et tout. Enfin, j'avais investi dans l'accessoire. Et derrière, j'ai pas la course. Bref. Bon, après j'arrête, mais je m'en suis vraiment voulu sur le coup. Quand je vois à quel point c'est cool de vous proposer vraiment une immersion en course, hein, comme sur la ronde des Canidés, donc ma dernière course, je peux vous dire que je ne l'oublierai plus. Ça, c'est sûr et certain, je ne l'oublierai plus. Bon, le point positif, c'est que c'est le début de saison, donc il va y avoir beaucoup d'autres courses. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être servi. Donc là, on enchaîne, ça déroule, c'est assez agréable. Là, on va pas se le cacher. Franchement, c'est roulant. Mais là, c'est le drame. Et là non, c'est pas une blague. Quand je suis arrivé là, j'ai halluciné. On m'avait dit qu'il fallait se baigner, j'y croyais pas. Et bah maintenant vous allez me croire, vous doutez hein, qu'en course j'ai tracé, j'ai sauté. Mais ça surprend quand il fait 6 degrés au moment de la course et qu'on doit se jeter dans l'eau gelée. C'est sympathique. Hein Pepper, c'est sympathique hein. Juste en mettant juste les pieds à l'endroit le moins profond, voilà ce que ça fait. Bref, écoutez, de toute façon, on va débriefer tout ça. Je vais pas vous le cacher, sur le coup, j'ai vraiment pas aimé. 8 degrés à l'extérieur, obligé de s'immerger dans cette eau qui était gelée avec Pepper, qui déteste l'eau, elle est obligée de nager. J'ai même vu des chiens qui voulaient pas y aller, donc ouais, non. Pas ouf pour le coup. Du coup, eh bien la fin de course se fait tremper, on retraverse un petit cours d'eau, mais pour le coup, on n'est plus à ça près. Là, on enchaîne, on va arriver sur la deuxième partie du dénivelé positif, donc là, on relâche rien, on s'accroche, en plus, on a quelqu'un qui est devant nous, donc on s'en sert de lièvre, on ne le lâche pas. Là, on a encore un petit passage dans l'eau, et pour le coup, il pouvait vraiment nous le faire contourner, c'est vraiment une volonté, là, pour le coup, de nous faire passer dans l'eau, avec les températures qu'il y avait à 8h30. Eh bien, je n'aurais pas dit non. Mais bon, c'est comme ça,
on enchaîne, là ça descend, mais ça glisse, faut faire attention, j'en ai vu plusieurs se casser la gueule, donc j'essaye de mettre de la vitesse, mais j'essaye de rester sur mes deux jambes. À ce moment-là, eh bien, on a quasiment terminé, on donne tout, avant-dernier point d'eau, ça casse bien les jambes, mais on y va à fond. On arrive tout de suite sur le dernier point d'eau, encore une fois, bah, on y va à fond, on force sur les cuisses, et puis bah, on va s'arracher jusqu'à l'arrivée. On termine donc la course en 17 minutes 24 sur 5 km. Honnêtement, je suis hyper content du chrono parce que ça nous fait du plus de 17 km heure de moyenne avec un 3,30 par kilomètre. Donc ouais, non, vraiment, vraiment content du chrono sur un parcours tel que celui-ci. Donc non, très content du chrono. C'est vraiment la satisfaction de la course. Pour le coup, je suis plus habitué. Tu peux me filmer aussi, hein. Pour le coup, je suis plus du tout habitué à ce genre de température. Ce matin, vraiment, genre ça m'a détendu, hein. Ça m'a vraiment détendu. Bon, après, je pense que c'était pas un choix de l'organisation. Je pense qu'elle se douterait pas qu'à cette période-là, il ferait 5 degrés, quoi. Je pense qu'ils se doutaient pas. Ouais. De ce qui est finalement dans l'alimentation, donc il y a trois grandes catégories de ce qu'on appelle les macronutriments, donc ce sont les nutriments qui vont apporter des... Dixième. Dixième à 2 secondes du neuvième. Je l'avais le neuvième. Les protéines, le neuvième. En vrai, dixième, ça passe. Je m'étais fixé donc, top 10. Quels vont être les rôles de chacun? Donc on va dire que ça passe. Top 10, c'est bien. C'est une molécule qui est constituée d'acide aminé. Et du coup, ça fait le chien 17-24. Construire sa propre masse musculaire. Neuvième masculin. Pour construire ses propres organes. Ouais, ça va. Une protéine est composée. On va tester la canitrottinette. Pépère, on va se faire de la canitrottinette. On va faire de la canitrottinette. Motivé? T'es motivé? Oui, tu es motivé? Incroyable! C'était incroyable, je pense que je vais investir et que je vais en acheter une, ça coûte un peu cher, mais franchement j'ai kiffé et elle aussi. On passe donc au bilan. Je vous ai demandé sur Instagram pour ceux qui étaient sur place de me donner un avis général et forcé de constater que les avis sont assez mitigés dans l'ensemble. Beaucoup de positifs mais aussi du négatif à relever. Je ne vais pas m'étaler dessus mais on m'a souvent fait remonter un manque d'organisation, un nombre de débordements trop important, des activités stand trop peu diversifiées et beaucoup trop d'attentes à cause du monde. Là je vous résume ça en 10 secondes. Bon, forcément, c'est hyper subjectif, ça dépend des attentes, des envies, mais je préfère quand même le souligner parce que c'est souvent revenu. Ici, l'idée, c'est pas de cracher sur l'événement, vous en doutez, mais peut-être de faire en sorte que ça s'améliore sur certains points la prochaine fois. Pour ce qui est de mon avis personnel, eh bien, c'était notre toute première fois sur l'événement, donc on n'a aucune base de comparaison. J'en tire énormément de positifs. J'ai apprécié mon moment, notamment avec de belles rencontres, de beaux échanges, quelques moments vraiment sympas, et puis bah, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le parcours de Canicross si on oublie la petite baignade à 8 degrés dès le matin, mais sinon très content. Pour le négatif, oui, il y en a un peu, c'est sûr. Je pense que l'organisation avait vraiment la volonté de bien faire, mais c'est, je pense, retrouvé un petit peu dépassé sur certains points. Les débordements, malheureusement, eh bien ça va de pair avec l'ampleur de l'événement. Je veux dire, plus un événement se développe et plus le lot de cons est important, donc proportionnellement, et ben ça se fait beaucoup plus ressentir. Encore une fois, ne pas s'y méprendre, mais j'ai beaucoup apprécié cet événement. Je remercie toute l'organisation et surtout tous les bénévoles qui ont permis de voir l'événement en place. Je pense qu'ils ont eu un week-end
même plus qu'un week-end très chargé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je pense qu'ils étaient en fait trop peu et c'est pour ça que sur l'organisation, il y a peut-être eu des petits loupés. Pour celui comme moi qui a 600 km à faire, eh bien, faut se poser la question, savoir ce qu'on est prêt à faire ou non, parce que bah, 600 km sur un week-end, vous vous doutez que ça engendre beaucoup de fatigue, ça engendre beaucoup de frais entre l'essence, les péages, la nuit. Voilà, c'est quand même un investissement, on va pas se le cacher. Donc, je sais pas si je le referai chaque année, parce que pour le coup, je pense que de tels investissements, je les mettrais peut-être sur d'autres expériences, pour d'autres événements. Mais non, je tire beaucoup de positifs sur cet événement. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un gros pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Prochain rendez-vous dans 2 semaines pour le Trophée de Sirius. Cette fois-ci, je n'oublierai pas la GoPro et je vous emmènerai avec nous en immersion pendant les 2 courses. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà.